Épisode 4, au fond, épisode 50. Le chapitre 6. Déjà. Tiens pour toi. Ouais. Donc on s'était quitté sur... chapitre 5. Et donc, on est en route pour le chapitre 6. Le meilleur qui soit. Attends une seconde. T'as vu qui j'ai vu? Non. Colorado! Regarde! Ça. À droite! Ah oui, non. Ah! Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. D'abord, la dernière graine. Et à quoi ça sert en fait de planter ces graines, Steven? Tu verras. Ok. Souviens-toi dans la partie avec le quiz de Peach. Oh. Passer un portail. Elle est fou. On va voir ce qu'il y a. La porte est vachement bien faite pour l'époque. Yeah, mais tiens, tu dois ce chemin grand, mais Ken Sekupa bloque le passage. Il est assez balèze, que dis-je? C'est une brute! Une sorte de vilain quelqu'un gruel! Je ne peux rien faire, je cherche juste un passage secret pour atteindre le village Cooper. Tu veux voir Ken Sekupa? Ah, juste attention. Ouais. Attention! Et toi, attends! C'est bon, Jacqueline, hein? Je m'appelle Ken Sekupa. Souviens-toi, ok? Si tu veux passer, il faut me donner 100 pièces. Désolé, mais c'est pas comme ça. Sinon, tu ne passais pas. L'argent fait bouger l'économie. Il n'y a rien de plus important. Payer, ne pas payer, combattre. Ne pas payer. Dans ce cas, tu ne peux pas passer. Dommage, allez, gisque, morveux. Et si vous combattez? Oh non, mais t'es malade! Pourquoi? Mais il est dur, il a environ 70 PV et parfois il tape du 8. On s'en fout, on peut sauvegarder. Moi je te dis, il vaut mieux le battre quand j'aurai mes ultra bots. Chacha pip pipi 36. Sale temps au champ de fleurs. Un chapitre qui commence assez bizarrement puisqu'on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. T'as vu le boss que ce sera? Ouais, on dirait un nuage de smog. Beurre. En fait, maintenant vous savez pourquoi le Pokémon s'appelle Smogo. Quoi? Qui ça peut dire bien-être? Ouais, on dirait Smogogo. Oh 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 oh! Là-haut, fiston! On m'appelle Sol le Sage. Je suis le plus vieil arbre de champ de fleurs, le pays des arbres et des fleurs. Et blablabla, bla, bla, tu vas te taire. Il y a un peu de créature nommée Pouf. Ah! Et ses disciples ont envahi notre beau champ. Ils ont couvert notre champ de nuages. Et depuis, le temps est tout à fait déprimant. Le soleil ne prend même plus la peine de se lever. Nous devenons de plus en plus faibles. Oh, je me souviens, on m'avait dit que Pouf a détenu un prisonnier. Bien sûr, c'est que de respirer étoile que tu recherches. Bien sûr. Oh, alors tu as affronté l'ignoble Pouf a. Tu exercerais ainsi les vœux des habitants du champ de fleurs. Mais ce n'est pas si facile. Pouf a vit sur la montée nuageuse. Mais tu ne peux y monter pour le moment. Bien, tu peux l'atteindre si tu trouves la haricot magique qui pousse bien haut. Et maintenant que j'y pense, blablabla, je crois qu'elle s'appelle Petunia. Et tu vas te taire parce que tu fais chier. Pourquoi tu passes le dialogue? Ça pourrait être important. Ouais, mais je sais qu'il faut que j'aille voir Petunia. On dirait que je connais tout par cœur. Oui, mais les gens ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Il faut leur expliquer. Ok. En fait, là, je suis dans le champ des fleurs et je dois aller voir une fille pour un haricot magique. Et c'est pour que j'aille voir Pouf A. Ouais, et en fait, les Pouf A, c'est des nuages, enfin, c'est plutôt les hommes, je crois, un truc comme ça. C'est des nuages de foudre, et ils ont une attaque assez élevée, ils sont assez chiants, en fait. Tu as un instant? Écoute mon histoire! Depuis que ça y est parti, j'ai commencé à me faner, et je n'ai plus d'énergie! Sans soleil, le monde entier me semble bien triste. Et ce satané Topito qui me mordit les racines, quelle est ses chances? Ma collection de graines risque de se servir de dîner si ça continue de la sorte. S'il te plaît, tu as l'air si fort. Débarrasse-moi de ces Topito. Alors que tu ne saches pas déjà les Topito, donc je parle sont... Celle-là. Cool.
celle-ci, ce trouble fait, et cette petite peste. Celui-là, bah, ne te préoccupe pas trop de celui-là. Ne me laisse pas tomber, mais je vais avec moi, comptons sur toi pour nous sauver. Oh! Ah! Ouais, un morceau d'étoile! Tiens! Super! Oh, mais... Bunky! Tabarnak. Il y en a deux cette fois-ci. Dédicace à Gabriel pour tous les tabarnak qu'on dit. Hein. Ouais. Ah, c'est un bon jeu. Pas lesquels. Il est un peu stun, avec quoi ils attaquent les topitopes? Eh ben, ils jettent des sortes de grosses pierres là, comme les topitopes normaux. Normaux. Ouais, par contre, ils sont pas très puissants, ils tapent du 3. Par contre, ils ont beaucoup de PC, ils en ont 12. Ouais, ça c'est vrai, au moins ils ont beaucoup de PC. Mais les topitopes n'ont jamais été très populaires. Ah ouais, Bobinette, ça faisait longtemps. Oh là là, c'est chier. Je l'ai eu. Waouh, putain, il y en a 4. Ça fait 48 PV en tout. Montre stop. Remboursé, bande de salauds. Avec moi, quand je dis stop, on fait stop. Stop. Eh, j'ai cru dire stop, toi aussi. Stop. En fait, dès que les montres deviennent blanches, je dis stop. Oh là là. Le conseil, c'est que quand ils sont tous endormis, vous vous faites méga bon, ben là, ça va faire super mal. Regardez bien. Pas de caca pour ta boule. 7 dégâts sur tout le monde. Une seconde, j'aurais dû faire en plus total bombe en plus au lieu de ça. Mais au moins méga bombe. Enfin, je veux dire, ouais, la méga bombe que j'ai fait là. Mais au moins vous connaissez maintenant ce que ça fait. Ouais. C'est très puissant. Ouais, mais total bombe reste quand même puissant parce que. Parce que quand même, méga bombe, il peut infliger ça à tous les ennemis, même en l'air. Alors qu'à total bombe, seulement au sol. J'aurais dû réfléchir. Non. Ouais, parce qu'en fait, on a utilisé trop de points fleurs. Parce qu'en fait, les gens. Les capacités spéciales des personnages dans les Paper Mario, eh bien, ils marchent avec les points de fleurs. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite fleur au milieu de l'écran. Ouais, mais on le savait, ils savaient déjà tout ça parce que. Parce qu'il est ouais. Depuis le début. Ouais, mais c'est vrai qu'on doit le rappeler. Et en fait, quand ça atteint 0, on peut faire aucune capacité. Et plus une capacité spéciale est puissante, plus ça recommande de points fleurs. Là, c'était très puissant, donc il en fallait 8. Ah, t'es Koopa. Mais Mini, j'en ai besoin pour une quête. Bon, je le prends quand même. Et comme ça, on gagne les points fleurs. Tiens. Oui. Patapoum. 9 minutes 30 et 35 secondes. On va finir le coup là. Oh zut. Ça fait chier. Va saigner. Va te faire pendre. Oh
Oh, ça a dépassé 10 minutes. Pas grave, je peux finir le combat, moi. Ouais. Oh non, Gaston Prout est connecté. Gaston Ballon. Ouais. Bon, vu que ça fait un peu beaucoup de temps, et ben. L'haricot magique. Ouais, il me faudrait de la terre et de l'eau. Ok, bon, dans le prochain épisode, on va essayer de trouver le moyen de comment... Ce sera comment aller à l'endroit où on veut aller. Enfin, je dis ça parce qu'on ne connaît pas vraiment. Enfin, je ouais. Ok, à tout de suite. Si tu veux passer, il faut 100 pièces. Désolé, mais c'est pas comme ça. Sinon, tu ne passais pas. L'argent fait bouger l'économie. Il n'y a rien de plus important. Payer, ne pas payer, combattre. Ne pas payer. Dans ce cas, tu ne peux pas passer. Dommage, allez, giscle, morveux. Et si vous combattez ? Oh non, mais t'es malade ! Pourquoi ? Mais il est je ne sais quoi pas, bloque le passage. Il est assez balèze, que dis-je ? C'est une brute ! Une sorte de vilain cliqué grillant ! Je ne peux rien faire, je cherche juste un passage secret pour atteindre le village Cooper. Tu veux voir Ken Sekoupa? Ah, juste attention. Ouais. Attention. Et toi, attends. C'est bon, j'ai fini, hein. Je m'appelle Ken Sekoupa. Souviens-toi, ok? Et bien, au 4, on le trouve, épisode 50. Le chapitre 6. Déjà. Tiens pour toi. Ouais. Donc on s'était quitté sur... sur ta... chapitre 5. Et donc on est en route pour le chapitre 6. Le meilleur qui soit. Attends une seconde. T'as vu qui j'ai vu? Non. Colorado. Regarde. Ça. À droite. Ah oui, non. Ah, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. D'abord, la dernière graine. Et à quoi ça sert en fait de planter ces graines, Steven? Tu verras. Ok. Souviens-toi dans la partie avec le quiz de pitch. Oh. Passer un portail. Elle est folle. On va voir ce qu'il la porte est vachement bien faite pour l'époque. Yeah, mais tiens, tu dois, c'est le chemin grave, mais Ken...